Salut tout le monde, c'est Amel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale présentation de ma chaîne YouTube. Ça fait je sais pas combien de temps que je me dis je vais faire cette vidéo. Mais je suis vraiment désolée, j'ai pas pu la faire. À chaque fois j'oublie. Alors normalement c'était elle que je devais débuter avec. Alors, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo présentation de la chaîne YouTube. Alors, je vais vous raconter un petit peu sur moi et sur la chaîne, comme ça vous savez qui est derrière cette chaîne YouTube, on va dire ça. Alors, ma chaîne YouTube, déjà, elle a été créée le 8 mai 2018, ça fait pas longtemps. Moi, j'ai 25 ans, je m'appelle Amel, j'ai 25 ans. Et en fait, j'ai toujours rêvé d'être connue. Bon là, vous allez me dire, oui, mais comment tu vas être connue alors que tu te montres pas? Alors ça va venir. Avec le temps, je vais peut-être me montrer. On ne sait pas. On va laisser le temps lui décider lui-même. Alors, ma chaîne YouTube est une chaîne YouTube pour beauté, pour conseils, pour astuces et surtout pour des économies, pour acheter, pour tester des produits. En fait, c'est une chaîne à tester des produits qui sont pas chers. Parce que aujourd'hui, de nos jours, en fait, on va pas se mentir, les produits, on les voit, ils sont à... Enfin, vous avez un shampoing, on va dire par exemple. Vous avez un shampoing qui est à... Elle est 4-5 euros, peut-être pour vous c'est pas cher. Ouais, 4 euros, 5 euros, mais qu'est-ce qu'elle dit? Franchement, dans le cas où j'étais avant, c'était vraiment cher. Et jusqu'à présent, on va pas se mentir, je vais pas dire que oui, c'est bon, je suis bien, je suis riche. Non, pas du tout. Hein. Moi, tout ce que je vous teste, les produits que je teste, c'est tous des produits de ma poche. Quoi. Ils ont été sponsorisés par ma chaîne, par ma carte bleue. Voilà, c'est pas... Ouais, voilà, elle est sur YouTube, elle gagne sa vie. Non, pas du tout. Je gagne pas un rond de YouTube. Voilà. En fait, maintenant, je vais vous parler un petit peu de moi. En fait, moi, je suis une personne... à la base, je suis une personne qui est vraiment complexée. On va dire ça comme ça, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout... toute l'histoire que j'ai eue, franchement, c'est pas quelque chose qu'on peut oublier du jour au lendemain, se dire que oui, c'est bon, je vais passer le cap. Non, c'est pas possible. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas possible de passer le cap du jour au lendemain après une histoire qui est vraiment terriblement triste. Mais je vous ferai une story time par rapport à ça, j'ai pas envie de vous mêler les choses. Mais voilà, alors pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube là? C'est juste parce que j'ai besoin de savoir que voilà, que je peux plaire aux gens, que je peux faire des choses, que je puisse avoir confiance en moi. Parce que de nos jours, j'ai pas confiance en moi. Vous voyez ce que je veux dire? De nos jours, j'ai vraiment pas confiance en moi. Et ça, c'est triste de le dire, hein. c'est pas facilement je suis en train de le dire, mais voilà. Je vous le dis, j'ai pas confiance en moi, je suis pas bien dans ma peau. Mais voilà, j'espère que ça va passer. J'ai juste un rêve dans ma vie, c'est d'agrandir ma chaîne YouTube, d'avoir une communauté en or. Et que je vois que voilà, vous commentez, vous participez à ma chaîne YouTube, vous donnez des idées, il n'y a pas de souci quoi. Pour moi, c'est ça en fait. C'est vraiment de participer et surtout de voilà de donner votre avis. Mais ne soyez pas très agressif quand même. Ne soyez vraiment pas très agressif parce que voilà. Parce que voilà, j'ai eu déjà des critères et des critères. Au bout d'un moment, j'ai arrêté la chaîne YouTube. Mais voilà, je me suis dit non, j'ai pas arrêté, je vais continuer. On m'a encouragé derrière. Voilà, il y a mon mari qui est derrière moi, qui m'a encouragé, qui m'a juste donné envie de continuer quoi, parce que c'est vrai que je me montre pas, mais voilà, comme je vous ai dit, ça vient avec le temps, je me montrerai avec le temps.
Et comme je vous ai dit, mes amours, je suis débutante sur la chaîne YouTube. Je suis débutante sur ma chaîne. J'ai que 70 abonnés. Mais voilà, je vois qu'il y a des 1133 vues, mais pas d'abonnement. Rien. Il n'y a personne qui s'abonne. Peut-être elle ne plaît pas ma chaîne YouTube. Hein. De toute façon, ça, je ne suis pas en train de dire que si, ma chaîne YouTube, elle est bien. Je ne sais pas pourquoi les gens ils ne veulent pas s'abonner. Ça arrive de le dire, mais voilà, je comprends que voilà, je suis débutante. Je n'ai pas tout le matériel qu'il faut. J'ai pas une très très bonne luminosité, mais tout ça, ça va venir avec le temps. Parce que là, en fait, si vous voulez, je suis en période de déménagement. J'ai envie de déménager, j'ai envie de trouver un autre appartement. Voilà, c'est juste pour ça aussi que j'ai envie de déménager, parce que j'ai pas beaucoup de lumière chez moi, comme j'habite en rez-de-chaussée. Il n'y a pas énormément de lumière, ça rentre pas dans tous les côtés, vous voyez ce que je veux dire. J'espère juste que cette vidéo ne sera pas très très longue. Mais je ferai des story time par rapport à mon passé, par rapport à ma vie. Parce que j'ai pas envie de mêler les choses. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, mes amours. Et je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Peace!